savez qu'aujourd'hui c'est le 1er mars, donc le mois de la femme, nous avons voulu quand même nous démarquer sur la décentralisation de nos activités. Vous savez, Sojo, ça fait longtemps que ça existe et nombreux ne savent pas ce que nous faisons. Et aujourd'hui, donc, nous avons ouvert nos portes, donc nos activités en département, pour faire rentrer toutes les personnes qui veulent bien travailler, puis ceux qui ont un partage, un savoir-faire à partager, de venir s'imprégner de nos départements. Donc, on l'a ouvert en public. Et maintenant, donc, l'ONG Sojos ne fera plus que, sera plus seul, travaillera avec tout le monde. Vous avez vu, il y a eu le média, donc vous aussi, vous allez gérer votre département du média. Vous avez eu les juristes, la spiritualité, la formation, la prise en charge des enfants, donc voilà. Donc, bon, pour le mois de mars, moi je suis en train de me dire que le mois de mars, et si l'émergence venait de la femme, c'était une femme. Donc si l'émergence est une femme, ceci dit qu'il faut que les femmes apportent, montrent ce qu'ils savent faire. Pas seulement comme je vois aller boire, dire au mari de travailler, parce que non. De montrer ce qu'ils ont, de faire vraiment un transfert de fonds, de prendre leur place, parce qu'aujourd'hui les femmes sont en train d'un peu de se relâcher de leurs responsabilités. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, avant lorsque nous on grandissait, on ne voyait pas beaucoup d'enfants qui traînaient, qui nous vendaient des sacs en plastique, qui faisaient ceci, les enfants qu'on jetait dans les toilettes, qu'on faisait ceci. Et aujourd'hui, j'appelle, je dis aux femmes de prendre nos responsabilités, hein, parce que la femme, c'est quelqu'un que Dieu a donné, qui a tout donné. Donc ils ont tous les pouvoirs. Si déjà il met l'homme, il donne l'homme la vie, ça veut dire qu'ils peuvent aussi gérer une nation. Donc il faudrait que ce mois-ci, pas seulement un mois où les gens doivent faire du n'importe quoi, c'est le mois de la conscientisation. Hein. Il faut vraiment faire des bonnes choses pour aider notre gouvernement. Parce qu'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Je veux que la femme aujourd'hui s'élève pour dire, moi maintenant, je veux faire ceci et je veux aider pour que ces choses-là changent. Et lorsqu'ils prennent des décisions, qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'on voit aussi les actions après. Vous voyez, il ne faut pas s'arrêter en route, il faut que nous allons jusqu'au bout.